Right. Did anyone experience a difference? Does anyone feel slightly different now than they did? Yeah? Do you want to tell us real quick how it feels? Thank you for this advice. Thank you very much. You're very welcome. You're very, yeah, do it. I would do it actually on a difficult day if you're really busy. Do it 3 times a day if you can. Once you get used to it and you've done it a while, at least once a day. I still do it every morning at least. Yeah? Every morning. Mm-hmm. So give Jordana a big round of applause. Yes, yes, thank you, Jordana. And here is Mehdi. The judges are back. Alors, donc le jury a délibéré. Avant donc d'annoncer les résultats, je tiens à remercier tous les participants. C'est 36 heures non-stop. Alors, je viens de confirmer que l'ensemble des participants sont invités à passer la nuit ici. Ils seront nourris et logés aussi pour demain. Des applaudissements pour l'équipe de Screendy. Pour les membres du jury. On a prévu 2 scénarios. Un avec du suspense et un où on annonce les résultats et on part. Allez, qui veut le suspense? Qui veut qu'on annonce et qu'on part? Ok, vous avez choisi. Donc ça va être rapide cette fois-ci. C'est moi qui perds là. Alors, avant donc d'annoncer les résultats, je vais inviter les membres du jury à dire un petit mot sur la délibération. Yacine. Bon, je me présente déjà, j'ai remarqué que tout à l'heure je ne me suis pas présenté. Yacine Salhan, je suis responsable cloud des plateformes de développement chez Microsoft au Maroc. Et je suis aussi... Ok, là vous m'entendez mieux? Génial. Donc, je me représente, Yacine Salhan, responsable cloud des plateformes de développement chez Microsoft Maroc. Et je couvre aussi une petite partie sur la région pour la partie cloud. Et enfin, en ce qui concerne la délibération, comme toujours, c'est très dur. Dans le sens où on a eu quelques incohérences entre nous, quelques discussions, quelques arguments, mais au final, on a pu délibérer et sortir avec un résultat qui était satisfaisant pour tout le monde. Et là, je laisse la main à Khouloud. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Khouloud Abja, je travaille au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique à Rabat. Je voudrais vous dire que je vous félicite à tous. Je trouve que vous avez vraiment fourni un grand effort en un temps réduit pour arriver à ces résultats. Donc, j'étais très agréablement surprise par la qualité de vos projets. Donc on a eu du mal à se mettre d'accord et à sélectionner le top 3. Mais en tout cas, pour moi, tout le monde a gagné. Et puis, je vous encourage tous à poursuivre vos projets. Bonsoir, Emmanuel Exposito, directeur des opérations sur Affinity, plateforme de crowdfunding en equity, plateforme marocaine à vocation africaine. Je vais répéter ce qu'ont dit en fait mes collègues du jury. C'est effectivement, ça a été un beau pitch avec quelques échanges pour décider des 3 premiers. Bravo à tous en tout cas et bonne continuation.
Bonsoir à tous, Zineb Nouna, je suis responsable innovation à l'IDEC. Je voulais aussi vous féliciter tous parce qu'effectivement il y a eu de très beaux projets, très beaux pitchs aussi, bravo à tout le monde. Et puis bravo pour les 36 heures parce que je sais que c'est pas évident. En tout cas le résultat est bon, on a eu effectivement quelques échanges mais on s'est mis d'accord, il y a eu quelques projets qui sont démarqués. Mais pour les autres ça veut pas dire que vous avez perdu, bien au contraire, il faut continuer, garder espoir et aller encore plus loin parce que ça vaut le coup, réellement ça vaut le coup. Bravo. Bonjour, Nejet Brada, je suis fondatrice de l'accélérateur TechFinance Academy. Donc moi aussi je vous félicite, il y a franchement de belles idées, il faut persévérer, il faut continuer, parce que pour faire aboutir un projet, il faut vraiment travailler sur son pitch, sur son business model. Il y a beaucoup de choses à faire sur le business model pour l'améliorer. Alors au niveau des délibérations, il y a vraiment des projets qui sont démarqués, d'autres qui, pour lesquels c'était assez serré, on a eu du mal à décider, mais on a fini par se mettre d'accord. Mais bravo à tous, en tout cas vous avez tous gagné, il faut continuer. Mais c'est génial de passer en dernier, parce que du coup j'ai pas vraiment quoi dire. Non, si ce n'est que voilà, qu'il y a un certain nombre de projets qui ont bien fait leur devoir. Ça n'empêche que tous les projets, toutes les idées se valent, sont intéressantes. Évidemment, il y a un gros travail à faire sur le business model pour la plupart. Donc, business, money, l'aqa, filous. Donc, intéressez-vous à ça, c'est vraiment important. Et puis voilà, on en a parlé un petit peu entre nous, mais je pense que le choix était plutôt évident. Donc voilà, bon courage à tous. Alors, avant d'annoncer donc, les trois gagnants, on va rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il y a à gagner et comment va se dérouler. Donc, Yacine de Microsoft vous offre un chèque de $27,000 en cloud service. Monsieur Zakaria Fahim, Hub Africa, vous offre un chèque de 10 000 dirhams en cash. Apparemment, Monsieur Tarek Mounaim va vous inviter les trois gagnants à un dîner ce soir. C'est toujours confirmé, Tarek ? C'est toujours confirmé ? L'invitation au dîner. Tu peux donner un peu plus de détails ? J'ai oublié. Ben, ils invitaient le jury, on va les inviter, bien sûr. Vous êtes cordialement invités à venir dîner, partager un dîner avec nous. Et voilà, le délibéré avait été fait. Ben voilà, je te parlais d'une surprise hier. Eh ben écoute, elle est là, cette surprise. Donc pour les jeunes... Oui. Donc voilà. Donc pour finir avec une note africaine, bien sûr, on aura une petite surprise en musique, en parallèle avec le cocktail qui est offert gracieusement par l'organisation. Merci Tarek. Alors, un point très important. Donc ce soir, on va sélectionner trois projets. L'ordre n'est pas important. Il y a bien sûr un gagnant, deuxième place et une troisième place, mais cela sera annoncé le vendredi 18 de 9h à midi dans la zone verte lors de la conférence et la cérémonie de clôture. Est-ce que ce point-là est clair? Cependant, vous êtes tous invités à rester ce soir ici. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une belle fête après le cocktail. Vous pouvez dormir ici. Vous pouvez manger et boire pour demain aussi. Je vous rappelle que demain, il y a un invité de marque, l'ambassadeur des États-Unis, qui sera là demain après-midi. Il est temps donc d'annoncer les trois finalistes. Donc, honneur aux dames. Alors, la bourse des déchets. Alors, l'autre, alors, parce que c'est pas dans l'ordre, donc Yiri. Come up.
On va prendre une petite photo, monter sur le podium. Allez-y. Il manque quelqu'un pour Yiri, je pense. Il est où? Allez, montez. Zacharia, tu nous rejoins pour une photo et pour un mot de clôture. I pay my dues, time after time. Alors tout le monde nous rejoint pour la photo finale. I took my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Donc vous avez goûté, vous avez eu un avant-goût de la Tech 22 de l'Africa. Et vous êtes invité bien sûr à venir pitcher pour l'Africa le 4 et 5 mai 2017. Comme l'a rappelé Mehdi, vous êtes bienvenus ce soir. Et demain je pense qu'il y aura beaucoup de belles choses à partager ensemble. Et encore bravo pour cette belle aventure humaine. C'est 36 heures de plaisir et 36 heures de création de valeur. Allez, à très 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 vite, à la prochaine édition. Et donc encore à demain. Bravo! Allez, au cocktail. Tariq. Tariq. You brought me fame and fortune and everything goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Alors là, restez, ne partez pas surtout parce que le temps que le cocktail se prépare, on a une petite soirée surprise avec un artiste qui est là spécialement du Sénégal pour faire un petit concert privé. Et finir en beauté justement ces 48 heures d'acharnement et de travaux. Encore bravo à vous. Tu as rencontré une vraie vente fraîcheur. Se présente. Bonjour, Zachary Fayet, enchanté. Très honoré, Patrice Blanchot. Bonsoir, président. Ah, c'est un gars. Vas-y, parfait.